Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour l'épisode 2 de This War of Mine. Alors avant de démarrer, alors déjà on va faire 2 jours cette fois-ci. Avant toute chose, je tiens à m'excuser comment dire, du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vidéos qui sortent ces derniers temps. Bon, comme je vous ai dit précédemment, j'ai chopé un virus et bon Dieu merci, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital, mais j'ai un traitement qui est assez lourd, qui est assez fatigant. Donc c'est très difficile pour moi de passer du temps devant l'ordi à faire du montage, même si j'en fais pas énormément, hein, je vais pas vous mentir, je vais pas vous sortir les violons en vous disant ouais, je mets 3 heures à faire du montage, c'est pas vrai. Je mets le gameplay avec l'audio et basta. Ça fait le montage. Au pire, allez, je raccourcis un petit peu le devant, un petit peu le derrière. Enfin, bref, c'est la production. Vous savez, c'est pas, y a rien de compliqué en vrai. Même s'il y en a qui vous disent qu'ils en font des tonnes, machin et tout ça, c'est pas vrai. Voilà. Donc, effectivement, j'ai beaucoup de projets actuellement. Donc, il y a des vidéos sur Call of Duty Infinite Warfare. Il y a des vidéos sur PES 2017, donc avec Demiurel, enfin Aurélien tout simplement. Hein. Et je compte faire des vidéos sur Factorio. J'ai pas encore vu si mon ordinateur acceptait d'enregistrer. Mon ancien ordinateur n'arrivait pas, ne suivait pas, tout simplement. Et malheureusement, les choses se passent pas comme je l'ai prévu. Donc on va continuer. J'aimerais bien que la fenêtre elle reste à la bonne taille, ça serait bien. Voilà. C'est pareil, j'ai essayé d'enregistrer en plat écran. Et malheureusement, il y a eu un souci. Ça, en fait, ça affiche tout noir. Tout simplement. Ça détecte pas, donc j'utilise Camtasia. Il y a sûrement d'autres logiciels qui pourraient peut-être être mieux, mais c'est pas possible à l'heure actuelle. Voilà, on est reparti. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose cette fois-ci? Je vous rappelle que on n'avait pas. Voilà, la nuit a été calme. On a ramené pas mal de choses. Ah, par contre, le son, il est fort. Bon. A faim, besoin de repos. Putain, c'est vrai. Alors. Je sais plus du tout. J'ai pas fait de lit. Mais si, j'ai fait un lit. J'ai fait un lit quelque part, c'est obligé. Bon, attends, toi. Tu vas aller m'ouvrir ça. Pav, pour l'instant, tu vas aller ouvrir ça. J'ai pas fait de lit. C'est bizarre, j'ai pas fait de lit. C'est fort probable, hein. Je vous avoue que il y a des moments où donc du coup toi tu vas venir là, tu vas faire un lit. Ouais, donc comme je vous disais, j'ai quand même pas mal de projets. Donc comme je vous ai dit, du Factorio avec ma compagne, on kiffe
objectif y jouer. Et j'espère tout simplement pouvoir vous faire des vidéos dessus. Ça serait sympa. Alors attends, Pavel. On va essayer de garder Pavel en bon état, hein, parce que Pavel c'est quand même notre, notre mec qui a faim et légèrement malade. Ah putain, j'ai oublié. Ah bah tant pis, tu dormiras l'année prochaine et puis machin. Peut-être que Katia pourrait faire un deuxième lit. Non, elle va faire, elle va faire, elle va faire, elle va faire. Elle va faire. Non, dépêche-toi un peu, s'il te plaît. Donc, grosso modo, vous savez maintenant. Alors par contre, ouais, voilà, il a mal dormi, il a faim, légèrement malade. On va faire après. Alors attends. Puis tu vas venir là d'abord. Et toi, tu vas prendre le relais. Alors je peux vous dire que c'est plaisant quand même, enfin, je vous avoue même sur mon autre ordinateur quand je joue à celui-là. Quand je joue à celui-là, en fait quand il courait, il marchait. Ah, c'était lent comme pas possible, ça laguait. J'avais pas assez de mémoire graphique tout simplement. Là ça va mieux. Je sais pas comment je suis coupé à G. Mais dans tous les cas, au moins, voilà, ça joue correctement. Au pire aller, je l'ai avec le PSN. Je l'ai avec le PSN, donc au pire aller, j'aurais pu vous faire des gameplays via. Est-ce que je peux en faire deux? Oui, on va en faire deux. Alors je sais pas si on peut renommer ou quoi que ce soit, en fait je m'en fous un peu. C'est pas, je trouve pas ça d'une extrême importance. Ah, effectivement au départ je pensais vous faire jour par jour, mais je pensais vous faire des vidéos plus fréquemment. Et il s'est avéré que je pouvais pas du tout quoi. En toute franchise, c'est pas possible. C'est pas possible, oui, il y a des jours où je suis couché toute la journée. Le traitement est assez, assez costaud, sans vous mentir. Et du coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Oh merde. Ah, ouais, c'est pas grave. Oh pardon. Alors, Pavel, tu vas partir collecter.
tu vas dormir dans un lit. Toi, tu vas monter la garde. On va savoir, c'est qu'ils ont pas. Machin. On va rester sur la station-service. On va continuer à la piller. Et voilà. On va toujours prendre ceci. Qui est un petit peu beaucoup endommagé, mais bon. On va le garder pour le moment. Et on part collecter. Alors petit à petit, je vais voir. Ah, par contre, pour tout ce qui est. Pour tout ce qui est. Comment dire? Stream et tout ça. Franchement, en toute honnêteté, hein, rien que déjà, vous allez regarder au niveau de. Des vidéos de Call of Duty et vous allez très vite comprendre le souci. Donc un stream c'est tout bonnement impossible. Même avec les meilleurs réglages qu'on puisse faire, je pense pas pouvoir streamer. SFR n'ont toujours pas compris que plus il se bougerait le derche, tout simplement, il se bougerait le derche pour il y a des choses qu'on va laisser, hein. Qu'on va reposer. Voilà, par exemple. Ça, on va le reposer pour le moment. Parce que ça. Parce qu'honnêtement, je préfère prendre de la bouffe. Alors, est-ce que je peux forcer ici? Ah ouais, d'une lame de scie. Ok, c'est pas grave. Allez. Ah, il y a quelqu'un. On va pas le faire chier, on va pas y aller pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Des cigarettes, bon, on va les laisser là pour le moment. Le bois, ça fait chier, ça c'est quoi? Du sucre? J'ai pas besoin de sucre. Non, c'est ça que je vais laisser pour le moment. Parce que j'ai pas besoin. Ouais, vous voyez, je suis déjà full, donc en fait après ça ne sert strictement à rien
On est full, hein. Ça sert à rien de d'essayer d'aller plus haut. Par contre, il va falloir forcément à un moment donné de mettre un petit peu plus d'upgrader les objets. Ça va permettre de faire des meilleurs repas, des meilleurs. Alors j'espère qu'il n'y a pas eu d'attaque. Alors dites-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mercredi. Ok. D'accord. Quelqu'un a essayé de nous voler. Il ne s'agissait que quelques collecteurs dont ils n'ont pas réussi à causer que des dégâts mineurs. Dommage que nous n'avons pas d'armes. Aucun d'entre nous n'a été blessé. Mais les agresseurs sont partis avec beaucoup d'objets précieux. Nous aurions monté la garde. C'est quoi? C'est des médocs qu'ils ont. Alors, elle a dangereusement faim. Elle a très très faim. Donc, on va tout de suite faire bouffer. La table, il va s'y mettre. Mais ici, il en est où? Il est en cours de rétablissement. Qu'est-ce qui manque? Oh non, il manque de l'eau. J'ai pas d'eau. Oh. Tu as bouffé de la viande crue. Besoin de beaucoup de repos à faim. Donc elle va bouffer. Pavel, il va falloir que tu construises deux choses. Mon ami Pavel. En fait, tu vas même te grouiller parce que là. Il va falloir que tu construises un lit déjà pour commencer. Ça, l'autre elle va se reposer. Elle a vraiment besoin de beaucoup de repos. Alors le problème c'est que si on tire un petit peu trop sur la corde, bah, il meurt tout simplement. A toujours faim. Qu'on allait avec elle parce que elle c'est voilà la compétence de marchandage, donc même si elle est en mauvais état elle l'a toujours. Oh. Oh, alors qu'est-ce qu'on pourrait changer? Alors déjà on a les diamants, ça vaut une blinde. Ça doit coûter une blinde, ce n'est pas donné. Ah ouais, bah ouais, bah ouais. Qu'est-ce que t'as? Consommable, arme. Moi j'ai. Attends, consommable, mais non, ça je vais pas. Ah, tant pis, on va faire ça. Tu vas aller te reposer. Pavel. Le problème c'est que Pavel, il doit aller se reposer aussi. Pour le soir, il va aller voir ça. Ah ouais, mais attends, il faut qu'il crée aussi. Bah écoute, toi tu vas te lever. Bah t'as faim, je suis désolé mon gars, mais on n'a pas trop le choix. Se serrer un petit peu la ceinture. À moins que Pavel trouve de l'eau là-haut. Ça serait cool. Alors, ouais, il trouve un peu d'eau.
récupérateur d'eau de pluie. Fabriquer. Et on va le foutre, je ne sais pas. Je ne sais pas où ça serait. Ça serait bien que tu essaies de refaire bouffer parce que je ne sais plus combien il manquait d'eau. Non, j'ai toujours pas assez d'eau. Donc, en attendant, tu vas être couché. Elle a la faim, donc c'est chaud parce qu'elle risque de crever, mourir de faim. C'est des choses qui arrivent. Alors je vous avoue, c'est vraiment la façon que dont démarrent les choses qui varie. Après, n'hésitez pas dans les commentaires à dire hein, si vous préférez justement du jour à jour. Après, comme je vous ai dit, je peux pas vous promettre de. Je peux pas du tout vous promettre que. Voilà, maintenant il va falloir attendre 4 heures. Légèrement malade, mais je sais plus c'est quoi. Il va prendre ça, le bono. Il va s'asseoir. Mais en fait, non, il va pas s'asseoir, il va aller faire une arme. Enfin, si on peut. L'arme, qu'est-ce qui manque? Oh merde. En fait, ça serait bien d'avoir une arme. Comme ça, il n'y a plus de cas. Il va falloir remonter les trucs aussi. Bah oui, je sais que t'as faim, mon vieux, mais. Mais voilà quoi. Il manque du bois, il manque. Ouais, c'est ce que je vous ai pas. Paf, il est déjà. Bon, il y a hormis qu'il a faim. Il est déjà opé, donc. J'ai bien tout recherché. On sait jamais. Avec moi. Alors désolé, oui je sais, j'ai mon siège qui grince énormément et je suis souvent en train de changer de position parce que j'ai vite mal au dos, mal au bas du dos. Donc allez, c'est reparti. Alors, lui, il va monter la garde. Elle, elle va dormir dans un lit et toi, tu vas partir collecter.
On va rester. Moi, je vous avoue, c'est vrai que j'aime bien faire d'une section, on va dire. Et pour pouvoir ainsi faire. Donc, on fait cette nuit-là. On va faire cette nuit-là. Et ensuite, on s'arrêtera là pour cet épisode. Après, d'un côté, une des raisons aussi pour laquelle je ne veux pas faire trop d'épisodes d'avance, c'est que malheureusement, j'ai remarqué que lorsque je faisais beaucoup d'épisodes en avance, malheureusement, ah là, il n'y a personne. Oui, donc quand je fais des épisodes en avance, en fait, le problème c'est reste que petit fume. On peut le prendre en attendant, au pire, allez, on le mettra. On va prendre le nounours au cas où. On va le laisser ailleurs en fait. Là, il y a plein de bois. Ok, on va essayer de. Attends, on va d'abord regarder. Il n'y a personne. Encore un nounours, on a des composants. Je peux prendre ces trois-là. Il y a des ça. Alors, pourquoi je prends pas le fertilisant? C'est que pour l'instant, j'en ai pas plus besoin que ça. Le nounours, j'espère pouvoir le revendre. En fait, c'est ça le truc. Essayer de redescendre et voir ce qu'il y avait dehors là-bas. Je sais pas s'il y avait pas un tas ou. Vous voyez, on peut encore revenir ici et faire. Alors j'aurais pu faire mon sagouin et prendre des trucs ici, les mettre à l'intérieur pour éviter s'il y a l'autre là qui revient. On ne sait pas si il est gentil ou méchant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, il est assez vache. Donc voilà. Donc les amis, on va s'arrêter là. Alors, on va regarder le résultat, mais on s'en fout hein, en fin de compte. Ok, la nuit a été calme. Sachez que quand on va reprendre, comme je vous ai dit, c'est possible que ce soit différent. Je vous remercie de suivre cette série, donc This War of Mine. Bien sûr, je suis pas très péchu en ce moment, surtout sur ces machins-là.
puis déjà c'est pas ma nature. Mais ceci dit, vous allez voir un revirement de situation dès que ça va être sur Call of Duty, même sur sur PS 2007. Vous allez voir qu'avec Demurel, enfin du moins Aurélien, c'est totalement différent. L'ambiance est différente et beaucoup plus festive, on va dire. Effectivement, hein, c'est normal, hein. Il y a une différence entre quand vous jouez tout seul et quand vous jouez entre potes. Et d'ailleurs, à ce point de vue-là, ce que je veux dire, c'est que imaginez facilement, vous êtes entre potes, donc vous allez dire des choses forcément qui ne sont pas forcément bien, vous allez jurer assez facilement. C'est la fête, quoi, c'est pas genre ouais, on joue super sérieux, comme je sais que beaucoup m'imaginent le petit gars, enfin le gars à lunettes, cravate, costard derrière son ordi, non, pas du tout. Voilà. Allez, sur ce, je vous remercie encore, je vous souhaite toutes les meilleures choses possibles. N'oubliez pas un like si ça vous a plu, ça fait plaisir, ça aide la chaîne. De partager sur les réseaux sociaux encore plus. Et n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous. Ça vous permettra de savoir quand une vidéo sort. Allez, ciao, bye bye!